Bon, Munich jour 3, là on est en train de faire la queue pour monter en haut de la tour de... Bon, je sais pas comment on dit en allemand, mais l'église Saint-Peter. Et on vient de manger dans un restaurant vegan absolument délicieux. C'était, enfin, au pied de notre hôtel, c'était divin. Et à quoi est-ce qu'on a passé la matinée? Et bien à trier nos affaires, puisque malgré tous les tris successifs, donc le tri avant de partir de chez nous, on a refait un tri à Paris. Et là, ben, ce matin, on vient d'en faire encore un. On vient encore de se débarrasser de 6,5 kg qu'on portait avant sur le dos, ben, parce qu'on considère que c'est toujours trop lourd. On n'est pas suffisamment mobile parce qu'on compte en fait franchir des frontières à pied et même faire un petit bout de chemin à pied, donc avec notre maison sur le dos, et pour faire ça c'était encore trop lourd. Et voilà, donc maintenant j'espère que ça va aller. Du coup, au total, depuis qu'on est parti, depuis qu'on a quitté la maison et qu'on a fait notre gros tri, notre premier sac à dos, on s'est défait de 16 kilos. J'espère que ça devrait être là maintenant. On vient d'arriver à Neuschwanstein, c'est bien comme ça qu'on dit, hein. Neuschwanstein, qui est le magnifique château que vous avez déjà probablement peut-être vu parce que j'ai dû installer des images avant. Il est vraiment impressionnant, il est là au milieu de la montagne, enfin c'est assez incroyable. Et là on vient d'arriver dans notre petite chambre et on a même une terrasse, une toute petite terrasse. Mais elle est quand même rien qu'à nous. Avec notre porte et tout. Bon, la chambre reste petite, hein, mais... Et voilà. On est quand même trop contents. Et donc là, on va terminer la journée. On n'a rien à manger. Apparemment, il n'y a aucun endroit pour s'acheter à manger dans le coin. Et les restaurants sont fermés. Parce qu'il faut savoir que les Allemands mangent très tôt. Là, il est 19h30. Et apparemment, les restaurants sont fermés.
Donc on avait un petit morceau de pain qui nous restait, donc on va manger ça je pense, et puis on va travailler ce reste de journée parce que demain on se lève très tôt pour aller voir le château parce que ça fait partie, enfin je crois que c'est le site le plus touristique de l'Allemagne, et donc apparemment il faut s'attendre à beaucoup beaucoup de monde, et c'est pour ça qu'on va arriver très tôt pour réussir à se sentir un petit peu seul, parce que vous savez que pour sentir un petit peu l'atmosphère du lieu, il faut quand même pas se sentir oppressé. Devinez ce qu'on pense avoir amené dans nos valises. Des poux. Des poux. Et oui, on pense avoir... on n'est pas sûr, hein, mais on pense avoir amené des poux au contact de mes neveux et nièces en partant de Paris. Et donc voilà, donc là on a fait notre recette qui marche à tous les coups, à base d'huile de coco et d'huile essentielle de lavande aspic. Donc il faut un masque qu'on laisse minimum reposer 4 heures, renouveler 7 jours après avant que les lentes aient éclos et fait de nouveaux œufs. Et évidemment ne pas oublier de passer le peigne à poux à chaque fois pour enlever les poux. Chez nous ça marche à chaque fois, donc là on espère que ça va marcher aussi bien que d'habitude et rapidement, parce que partir en tour du monde avec des poux, enfin surtout au début quoi, c'est dès le départ on part avec ça. On vous tiendra au courant de nos problèmes capillaires. Pour l'instant on s'est dit qu'on pouvait pas ne pas vous montrer nos têtes. Bah ouais. Parce qu'on a l'air sérieux comme ça. Ouais, on est pas mal. Ouais. Toi, tu ressembles... Tu peux aller aux Émirats Arabes Unis avec ton machin. Ouais, presque. Moi, je sais pas trop où je peux aller. On va défiler. Ah ouais. On peut, hein. Sur un podium. Un podium. Mmh. C'est assez original. Là. Donc, on va laisser mariner tout ça, et puis on vous dit à demain. À demain.